importe qu'on ne laisse personne au bord du chemin. Vous avez souhaité que les personnes à mobilité réduite eh bien, puissent aussi pratiquer le sport. C'est une volonté qui est la vôtre, qui est la nôtre, celle de l'association, du département. Et donc je suis très heureux que dans le cadre de cette belle fête du 24, eh bien, ce soit aussi une promotion de ce que nous devons évidemment apporter, c'est-à-dire la possibilité d'une pratique à l'ensemble des sportifs, y compris les personnes à mobilité réduite. Donc bravo pour cette belle initiative. Je sais que là aussi, il y aura du répondant. Je sais que ce n'est pas simplement une opération promotionnelle. Bienvenue à Saint-Laurent-sur-Scarpe, dans le pavillon EDF. C'est un grand plaisir, voire un grand bonheur pour moi, de lancer aujourd'hui le premier rallye handi-kayak EDF. Et c'est une nouvelle étape dans notre aventure commune avec l'association sportive, l'association Sport et Loisirs, je ne me trompe pas, de Saint-Laurent-Blangy. Alors, Saint-Laurent, dans tout ça, Saint-Laurent-Blangy, c'est un peu le paradoxe et un peu le miracle. Au départ, je pense, la rencontre entre deux passionnés qui ont donné, avec un club qui obtenait déjà des premiers bons résultats. Et c'est une belle aventure qui commence. Vous savez, quand il y a de l'eau, quand il y a, bon, comme ça, cette rencontre entre deux passions, on ne peut pas résister, on s'installe, on soutient, on développe, et puis ça fait 18 ans que ça dure. Pas d'ailleurs.